Pourquoi il y a des mignons? Ah, il était là. Il y a Donald Trump qui fait le floss. Il y a un petit chat. Regardez-moi cette tête. Monsieur Trump, laissez-moi. Regardez-moi ce Trump pinouné en granit. Ah, on bouge pas. Je vais dans les égouts. Un énorme merci à tous les membres de la Supermax Family et en particulier à Fleur Bleue et à Killer Bunny Cookie qui nous rejoignent au niveau argent. Merci du fond du cœur pour votre soutien et bonne vidéo. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi c'est Max, bienvenue dans mes délires. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps ou depuis il y a quelques secondes. Eh bien merci à vous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien allez-y, faites-le dès maintenant avant qu'on commence. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner ainsi que sur la cloche en activant bien toutes les notifications de ma chaîne. Comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Il y en a au moins deux chaque semaine. C'est chaque mardi et chaque vendredi à 17h. Et ça c'est des bonnets. J'ai chaud. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale Granny, puisque bah vous le savez maintenant, je joue aussi à Granny sur PC en utilisant des mods. On s'est bien amusé. Précédentes vidéos vous ont beaucoup plu, mais surtout, ça me permet de faire des mods qui étaient disponibles que sur Android. Oui. Comme par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui et que vous avez vu dans le titre, Granny Trump. Oui, Granny et Donald Trump. Nous allons affronter Donald Trump dans la maison de Granny. Ça va être à mon avis un mélange assez rigolo de fun et de peur. Ce qui donnerait quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment super bien. Si le moral n'est pas bon, eh bien je suis là pour vous apporter un petit peu de joie, de fun et de rigolade. Bien sûr, avant de commencer, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, il y a quelques vidéos de cela, je vous avais montré mes casques PlayStation 4. Vous savez que j'aime bien collectionner les casques. Enfin, je n'aime pas collectionner les casques. C'est juste qu'il s'avère que j'en ai plusieurs. Mais il me manquait un casque vraiment gamer, un casque professionnel de haute qualité, avec même le micro qui vient ici pour mon PC, pour mes lives. Donc, j'ai été voir sur le site de HyperX et j'ai vu qu'ils avaient un super casque qui venait de sortir. J'aurais demandé s'ils étaient d'accord pour m'en envoyer pour que je puisse le tester et vous en parler. Ils ont dit oui, je l'ai reçu en 2 jours, c'est complètement dingue. Merci HyperX, vraiment. Toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et voici le casque en question. Il est très robuste, c'est vraiment très agréable. Plastique, mais tout doux, vraiment velouté. Ça, c'est le logo de la marque. Mais surtout, c'est sa qualité sonore. Je l'ai testé depuis 2-3 jours sur plusieurs jeux, sur des chansons, sur des films. C'est un casque qui fait une spatialisation du son. En gros, vous avez l'impression que le son, il vient de partout, de derrière, de devant, d'à côté, etc. Et ça marche super, méga bien. C'est le meilleur casque que j'ai déjà testé pour ça, voilà, le son qui vient de partout. Alors c'est un casque filaire, mais on peut débrancher. Tac. Soit on peut le brancher en USB directement sur le PC. Il est vraiment très confortable. Moi qui ai une tête un petit peu chelou, des fois j'ai du mal avec les casques comme ça, ça me fait mal à la tête au bout d'un moment. Celui-ci, j'ai joué hier 2 heures à peu près avec le casque et j'ai eu aucun mal de tête. Il y a un logiciel, je vais vous montrer une image tout de suite maintenant, qui reconnaît le mouvement du casque en fonction de votre tête et du coup qui reproduit le son. Complètement dingue. Il y a plein de petits outils pour modifier le son, l'améliorer, etc. Il y a un micro avec. Et quand vous voulez parler, vous le branchez comme ceci. Hop, il y a un micro casque. Le son est vraiment très très bon. En tout cas largement assez pour commenter des parties, par exemple sur Max Gaming, ma chaîne secondaire. Encore une fois merci à HyperX qui ont été super réactifs. Et ils font également plein d'autres accessoires pour le PC, pour le gaming. C'est une super marque. Et maintenant je crois qu'il est temps de lancer le générique. Un énorme merci pour tous vos commentaires ici sur YouTube, tous vos messages sur mes réseaux sociaux. Merci à vous d'être présent, de me montrer que vous êtes là et de m'envoyer vos messages adorables, vos dessins, vos petits montages photos. J'adore ça, merci, merci, merci beaucoup. Maintenant on va aller rejoindre l'espace gaming pour faire Granny Trump. Ça va être très drôle et effrayant. Let's go. Ouh, ça y est, je suis assis. Et l'ourson aussi, il m'a volé mon casque. Mais c'est pas vrai, mais dès que j'ai un nouvel objet, il me le prend. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Ça se réglera hors caméra, croyez-moi. En toute simplicité, en toute diplomatie. En tout cas, nous sommes assis ici. Le jeu s'appelle Granny Trump ou Trump Granny. Granny Trump, c'est ça. Le logo ressemble à ça. Donc clairement, hein, ça ne ment pas. C'est bien Donald, hein, notre ami Donald Trump. Bah ça va être drôle et effrayant. J'espère que ça va être bien et surtout que le jeu ne va pas être buggé, qu'on va pouvoir aller à la fin. Parce que là, on pourra pas tricher. Hein. On y va. Toi, tu lâches un max de pouces bleus et c'est parti. Et je mets du bleu. Oui. C'est quoi cet écran d'accueil? C'est quoi ce Trump? Ah! Il y a la tête de Trump qui est venue à droite, ça m'a fait peur, j'étais pas prêt. Il est en position d'araignée, je n'aime pas quand Granny fait cette position de l'araignée, non, je n'aime pas du tout. En tout cas, on voit que tout a été modifié, même le décor. Ah! Bon, on va y aller, hein, parce que là, il me fait peur, plaît. Je vais jouer en facile quand même, merci. La qualité en élevée, évidemment. C'est parti, on continue, continue. On attend le jour 1. On apprécie. Ah, le jeu a planté. On va le relancer. Ah, on va espérer que ça fonctionne. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Jour 1. Ok, c'est parti, on y croit. Oh,
Ouh, des petites étoiles, c'est le drapeau américain. Tout va bien, hein? Ok. Ouh. Bon, eh bien, je crois que c'est parti. Ok. Attendez, je crois que les commandes n'ont pas été... Ah! Il faut que je corrige les commandes. 2 secondes. Ouh! Je ne la connaissais pas, cette musique de Granny. Bon, alors ça fait à peu près 15 minutes que j'essaie de régler les réglages. J'ai fait ce que j'ai pu, je crois que le jeu est un petit peu buggé, mais on va y aller, alors on fait play, easy, high. On continue. Je joue au clavier et à la souris, c'est pas évident. Il a replanté, on recommence, c'est pas grave. Bien, on continue, enfin plutôt on commence, enfin, jour 1. Nous voyons les petites étoiles, le drapeau américain. Je sens que ça va être très très bien customisé, en tout cas beaucoup customisé. On se réveille toujours, c'est le Granny numéro 1. Et c'est parti. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a des petits problèmes de caméra. Des fois, la caméra se bloque, la souris est bloquée. Et ça risque d'apporter un petit peu de piment à la partie, puisque, eh bien, des fois, je ne peux pas tourner la caméra. Donc, s'il y a Trump derrière moi qui m'attrape, eh ben, ça va être sympa. Donc, c'est un peu flippant. Non, c'est quoi ces grosses têtes là? Ah! Il est déjà là? Ouh, il est déjà là! Il est où? Vous voyez là par exemple, ma caméra elle est bloquée. Ah, oui! Je vais me cacher. Pourquoi il y a des mignons? Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Ma caméra, elle est bloquée! Je peux pas me cacher sous le lit. Depuis quand je peux pas me cacher sous le lit? Est-ce qu'il y a le tableau d'Angelaine? Fais tomber? Non, il n'y a pas le tableau d'Angelaine. Bon, il y a plein de mignons ici, je ne sais pas pourquoi. La caméra est bloquée! Oh! Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. En plus, je ne peux pas tricher. Hein. Il n'y a pas le menu pour pas se faire toucher, pour passer à travers les murs. Non. Alors, par contre, il y a le livre ici. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas faire tomber le tableau pour dévoiler Angelaine. La cachette. Mais c'est bloqué ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je crois que je vais relancer encore une fois le jeu. La vidéo est maudite. Hein. C'est Donald Trump qui fait ça ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits à chaque fois qu'on démarre la partie? Pas possible. Jour 1. Bon, si le tableau ne tombe pas, ça veut dire que c'est buggé. On va quand même essayer d'aller au bout, enfin au maximum loin où on peut aller. Et puis bah au bout d'un moment, je serai bien coincé. De toute façon, avec les problèmes de caméra, je pense que je vais me faire attraper plein de fois. No way out. Pas d'issue possible. Sympa, merci Donald. Allez, on y va. Pourquoi tous les objets sont tombés comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les tiroirs, il n'y a rien. Je vais aller tout de suite voir le tableau d'Angelaine. Et... oui! On a enlevé le bug! Formidable. Du coup, on peut voir qu'il y a la télécommande. Je la prends, si j'arrive à la prendre, puisque le curseur est bloqué. Ah! Je n'arrive pas à viser. Je galère un peu, non? Voilà! Je l'ai! Bien! Il ne faudrait pas que Donald arrive. Non! Trump n'est pas là, on peut y aller si les cartons me laissent passer, merci. Je vais en profiter bah, pour aller voir ce qu'il y a là-dedans. Bonjour. Alors, il n'y a rien. Là, maintenant, du coup, ça doit s'ouvrir. Le petit nounours en peluche de Donaldy Nounet. Nous avons rien du tout. Je dois être plus près. Ah, pour utiliser la télécommande, bien sûr. Là, le jambon, il est en éponge. Ah, la porte ne s'ouvre pas. Très bien, il y a toujours la voix de Granny. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce mode? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pourquoi ça bug? Au secours! Au secours! Aidez-moi! Alors, on y va. Je vais passer par là. Je vais voir si je peux me dépêcher d'aller ouvrir la porte. Hop! Ah! Ça ne marche plus. Ah voilà, ça y est, ça fonctionne. On y va, on a quoi? La batterie, il est là. Il m'a vu ou pas? J'ai vu son bâton. Il est là? Il doit être là. Alors attendez. Je vais essayer de prendre ça. Je vais le sprayer. Il est où? Il est où? Il y a des présidents américains sur le... Ah! Il était là! Vous avez vu sa tête? Il fait flipper avec ses cheveux jaunes comme ça là. Bon bah jour 2, hein, on y va. Je sens que je ne vais pas y arriver. C'est énorme. Je bug. Le jeu bug et je bug aussi. Donc c'est le jeu bug. Et voilà, ça va être infernal.
En même temps, c'est le mode de Donald Trump, il ne pouvait pas en être autrement. Nous allons maintenant essayer... Je sais pas... Nous allons essayer d'aller explorer... en bas, là où il y a la voiture. Mais non, mais c'est une blague. Allez. Allez. Voilà, c'est bon. Je suis libéré, délivré. Je vais partir par là. La caméra. Voilà, merci. Est-ce que je peux ouvrir ça? Toujours pas. Toujours pas. Bien. Très bien. Les portes ne s'ouvrent pas. C'est très rouge, hein. C'est très... Oula. Il y a un drapeau américain en forme de cœur. Ok. On va aller voir la voiture. Voir si la voiture a été modifiée. Et puis voir s'il n'y a pas des objets aussi. C'est parti. Ah, la caméra. Non, la voiture est la même. Par contre, il y a Donald Trump qui fait le floss. Ok. Pourquoi pas. Vision d'horreur. Ah, un bout de shotgun. Oui, et pourquoi le shotgun il est rouge? Enfin rose, avec des munitions roses. Je ne sais pas. C'est un mystère de Noël. J'ai fait du bruit, donc il va peut-être venir. Donc je vais aller par là. Et je vais aller dans le jardin, si je peux. Ok, ok. Mission jardin accomplie. Ouf, là il n'y a rien. Est-ce que le message est différent? Non. Je vais passer par là. Le couloir est normal, hein, en terre, marron, gris, gris foncé. On va aller par là si ça s'ouvre. Ça s'ouvre, on est content. On a un cogwheel rose. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit chat. Quoi? Est-ce que la porte ici s'ouvre? Oui. Et pourquoi il y a Bob l'éponge maintenant sur la guillotine? C'est sympathique comme tout, je ne comprends rien. Et pourquoi il y a le président de la Corée ici en cartoon? Je ne sais pas. J'ai pas envie d'avoir de problème. Je ne vais pas commenter sur ce cartoon. Ensuite, par là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ici, on a le wrench pour la voiture. On a encore le petit chat. Ah, la poignée du puits. On y va. Pour l'instant, pas de traces de Trump. Enfin, pas de traces de Trump. Il est un peu partout dans la maison. Arrête de rigoler. Le problème, c'est que je peux pas aller en bas dans la maison d'Angelette parce que c'est fermé. Et je risque d'être coincé. Donc, on fera ça à la toute fin. Oui. Oui. Alors, on a le marteau ou on a le melon? Ou autre chose, hein, ça se trouve, on a... Ah, on a le marteau! On a le marteau! Voilà, c'est bon, on prend le marteau, merci. Je vais aller casser les planches de la porte d'entrée, déjà, hein. Je vais faire un petit peu de bruit pour attirer Donald. Donald! Regardez-moi cette tête, il est trop marrant. Trop rigolo. Mais en tout cas, on attend le Donald Granilla. Le ciel est étoilé. Avec le drapeau américain. Ah! J'entends du bruit, mais il ne vient pas. Donald? Donald Trump serait-il coincé? Attendez, on va aller voir. On va passer par... Ah, il est là, j'ai rien dit! Regardez, c'est Donald! Monsieur Trump, laissez-moi! Ah, on va passer par là, on va casser les planches ici, si la caméra me le permet. Voilà. Voilà, maintenant je vais... Ih, je voulais monter, je peux pas. Ih, je peux plus tourner la caméra. Voilà, merci. Je sais pas pourquoi elle se bloque. Voilà, là elle se bloque, je peux pas tourner. Pourquoi il y a un aigle? Ah oui, l'aigle, c'est le symbole des États-Unis. Allez, on va aller casser les planches en haut, c'est pas grave, on y va. En toute délicatesse, voilà, merci. Je peux quand même... Il y a des bananes maintenant. Trump, 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 il y a écrit Trump partout, il y a des bananes. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi ce mélange de couleurs? Il y a du rose, il y a des mignons. Je ne comprends rien. Allez, on va placer la planche. Tac! J'ai dit tac. Place-la. Mais il veut pas. Voilà. Merci. Je vais aller voir s'il n'y a pas une clé, quelque chose ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les cutting pliers. Donc, je vais passer de l'autre côté. Si je peux. Oula. Alors là, il faut que la caméra soit droite. Oui, je suis passé. Je vais déverrouiller ça. Tac. Alors, il y a un cogwheel. Ok. Oh, maman! Je déverrouille pas la porte. Non, 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 je reste en prison, c'est bon. C'est bon. Alors, regardez-moi. Regardez-moi ce Trump pinounet en granit. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il m'attaque pas? On bouge pas.
C'est notre seul moyen. Mais il va pas s'en aller. Ah, il s'en va. On est libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Non. C'est stressant ce truc, c'est pas possible. Il était à ça de moi, il m'a rien fait. J'enlève le petit truc de la porte, boum, il m'attaque. Jour 3, on va y aller. Je vais aller récupérer les pinces et je vais aller couper les fils dans le sous-sol et à la porte. Stressant ce jeu, il est stressant ce jeu. Je crois que les bugs ajoutent au stress. On y va. Tac, par ici, je vais aller par là. En fait, je crois qu'il y a des sections du jeu qui sont buggées. Ça doit être ça. Il y a des endroits où c'est pas bugué, des endroits où c'est bugué. Ok, on y va. Hop, ne pas tomber, merci. Les pinces, elles sont là. Bien sûr, il y a le cogwheel, mais ce sera pour plus tard. Hein. Pour le moment, je vais dans le sous-sol. Si je peux. Allez, mémé. Voilà, voilà. Je vais passer par l'intérieur de la maison. Je ne vais pas prendre de risque non plus. Par ici, voilà. Do you want to play hide and seek? Non mais vous vous rendez compte, on en est venu, hein. Il y a des gens qui ont fait une granny Donald Trump. C'est excellent, moi je trouve ça très drôle. C'est ça que j'aime bien dans les jeux, c'est les modifications de jeu et les voilà, les différents trucs. Je trouve ça très marrant. Allez, hop, on va couper... attendez, si je coupais d'abord le câble ici... Histoire de... Tac. Et ensuite, je vais aller en bas, parce que ça fait du bruit, figurez-vous. Ah ! Voilà, voilà. Merci, je vais dropper ça, et je vais, je sais pas. Je sais pas où je vais, faudrait que j'explore la cuisine, maintenant. Bonne idée ! Sauf que la cuisine... Ah, il s'en va. Ah, ça fait du bruit, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte, il descend, il monte... Non, mais regardez, il a l'air vraiment énervé, hein. Alors attendez, est-ce que j'aurai le temps d'y aller? Ouh, non, 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 je ne vais pas prendre de risque. Je vais attendre qu'il s'en aille. Voilà, monte bien par là-bas. Merci. Il est bloqué, il est bloqué. Il a mis un piège, le coquinou. Oui, bon, ben, on va passer par là, voilà, hein. On va passer par là-bas, merci. Alors pour ceci, je vais me lever instantanément. Faudrait que je trouve la clé de l'arbalète aussi. Ce serait pas mal, ça. Allez, hop, on y va. Ah, c'est du bruit, il va venir. Il va venir par là. Et j'aurai pas le temps de m'enfuir. J'ai un petit peu peur. Non, ça a l'air bon. Je vais discrètement aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La viande. Un bout de painting. Rien. La Master Key, pas mal. Rien, rien. J'ai peur, je fais le tour, tant pis. Ok, je vais poser la Master Key à côté de la porte principale. En plus, je peux pas faire venir de bruit. Je vais d'abord explorer ce qu'il y a là, là et là. Il n'y a pas la Weapon Key. Ah, c'est dommage. Il est où? Il y a la batterie. Alors attendez, je vais laisser la Master Key ici. Sauf que lui, il va venir de je ne sais où. Est-ce que j'ai le temps d'explorer? Alors, ça sert à rien de mettre le livre. Je vais aller regarder là. Tac, tac. Il n'y a rien. Mais ils sont où, les objets? Alors, attendez. Je crois qu'il y a un cogwheel. Ah oui, mais j'ai pas la clé du padlock. J'ai pas la padlock key. Et j'ai pas le melon. J'ai pas la special key. J'ai pas grand-chose, en fait. J'ai les deux cogwheels. Mais ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Attendez, je le fais venir là. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais aller là-bas. Je vais risquer... Ah non, je vais d'abord chercher le marteau. Je vais chercher le marteau pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que j'aille récupérer le marteau à l'étage. Alors est-ce que je pourrais... Ah, il a mis plein de pièges, le méchant. Ok, ok. Ok, tourne, voilà. Je vais récupérer le marteau ninounet. Hop, hop, hop. Il est là. Tout simplement, en train de m'attendre. Voilà. Je vais faire du bruit. Ok. Comme ça, il va peut-être venir. Voilà, voilà. J'attends qu'il vienne. Hein. Attendez, il faut que je me positionne en mode stratégie, là. Parce que s'il arrive, il faut pas qu'il y ait un problème de caméra. Donald. Trumpinou. Trumpinou. Trumpinounet. Pourquoi il vient pas?
J'ai pas fait assez de bruit. Allez hop, bim. C'est bon là. J'y vais. Donaldine Nounet. Bon bah je crois qu'on va y aller hein. Sauf que là ça va faire du bruit. Tant pis. Voilà, j'ai pas... Mais bien sûr. Mais bien sûr que t'es là. Yeah. Attrapé. Quelle méchanceté. Mais quelle méchanceté ce Donald. Bon bah il nous reste deux vies. J'ai envie de vous dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon avec les bugs et tout. Mais on va donner notre max. C'est moi Max. On va donner tout ce qu'on a. On va aller jusqu'au bout. On ne lâche rien. Et surtout on va voir si à la fin la cinématique apparaît avec Trump. Évidemment. C'est parti. On y va. Je vais récupérer. Ah, il a mis un piège. Je vais en profiter. Alors attendez, j'ai le marteau. Tac. Là, il y a un bout de painting. Là, il y a rien. Non, il y a vraiment rien ici. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, la maison d'Angelaine. On y va. Oh. Bien sûr, en toute discrétion, je fais tomber les tableaux. C'est pas grave. On est arrivé ici. C'est tout ce qu'on voulait. Merci. Je vais dans les égouts. Vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais téléporté dans une autre... Ah! Il est là. Mais il y a un piège. Ah! Je vais passer par... Ça y est, c'est bon. On va recommencer cette histoire d'Angelaine. On va faire comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien vu. Comme s'il n'y avait pas eu d'énormes bugs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire exactement? On y va. Hop. Hop là. Donc on a toujours le cogwheel. On a toujours la clochette. On a toujours Bob l'éponge. Pour une raison qui m'échappe. Et on a toujours... Alors on va peut-être passer en mode accroupi. Et... Ah, c'est mystérieux. Et ce jeu est complètement buggé. Oh, j'ai évité le piège. Il me manque en fait que la padlock key pour y arriver. Il me manque une seule petite clé. Une seule clé pour y arriver. Attendez, et si on essaye encore une fois de passer par le haut? Mais ça m'étonnerait. Cela m'étonnerait bien. Par là-bas, par la pièce au jambon. 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 Parce que j'ai la master key. J'ai coupé les câbles et tout. Il me manque vraiment que la padlock key, quoi. Oh, on est tellement pas loin de pouvoir sortir de cet enfer, Donaldine Nounet. Alors attendez, remarquez. Et on va peut-être essayer de faire le shotgun, finalement. Parce que tournevis, clé. Clé, padlock key. Padlock key, liberté. Allez, on y va. On va essayer de faire ça. C'est notre seule tentative, notre seule chance, en fait, d'y arriver. Il est là, mais pourquoi tu ne me laisses pas aller faire le petit shotgun, gun, gun. Comment je veux... Il m'a vu, il va venir me voir. C'est pas grave, on va quand même tout donner. Là, il me restera encore la crosse du shotgun. Attendez, je fais du bruit volontairement, si je peux. Attendez, comment on fait? Voilà, j'ai fait un énorme bruit. On va le faire venir par là. Et on va tenter de s'échapper. Mais avec cette caméra et ces touches qui bug... Il y avait l'icône de sa tête. Allez, 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 oui, on y croit. What? Mais non! M'a attrapé. Bon, bah dernière tentative, il ne me reste plus qu'à trouver le petit bout de shotgun manquant et à faire tomber le tournevis et à tenter de récupérer la clé qui est à l'intérieur et... À mon avis... Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On va quand même tout donner, on va essayer. Allez, on ne lâche rien. On a déjà vu sur cette chaîne désespoir jusqu'au dernier moment. Non, des plus loin espoirs, hein. Non pas le désespoir, mais un espoir d'y arriver. Alors, où peut bien se cacher le dernier bout de shotgun? Je crois, mais je suis pas sûr qu'il était... Eh ben non, il était pas là. Oh, oui, Bonky. Depuis tout ce temps, on l'avait. Oui, Bonky. Ah, 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 vous voyez, quand je vous parlais d'espoir.
Le problème est, est-ce que je pourrais toucher... What? La touche de shoot, elle est sur la touche du drop. Donc je ne peux pas tirer. Avec le, avec ça. Vous voyez, j'appuie sur tir, ça fait rien. Je peux que... C'est complètement buggé. Je ne peux même pas tirer à l'arbalète. Bon, alors on va tenter de trouver... Bah non, là je peux pas y aller. Bon bah écoutez, si je trouve le dernier bout de shotgun, on va peut-être avoir un espoir. Mais s'il y a le même bug avec le bouton shoot qui est sur le bouton drop, si vous voulez, je crois que je ne peux pas y arriver. Hein? Malgré tout, tous mes bons, mes bonnes intentions. Voilà. Là, je ne vois pas. Il ne me reste plus que le salon, allez voir. Et la cuisine. Et puis, il n'y a que là où il pourrait y avoir un bout de shotgun. Sinon, bah, il me reste plus qu'à me faire attraper par Trump et puis bah, voir la cinématique de fin. Voilà. Est-ce que ça serait ici? Alors là, il n'y a rien. Non. 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 Et bien sûr, non. Il n'y a pas de bout de shotgun. Hein. C'est fait. C'est comme ceci. Complètement buggé. Il ne me reste plus qu'à faire un câlin à Donald. Encore faut-il qu'il soit... Ah, il est là. Coucou, je fais de ling... Non, mais allez, il est sérieux, lui. Je fais de ling-ling. Voilà. Alors, on va se faire attraper dans le salon. Allez, on y va. Dans le salon. Bonjour, Donald. Coucou, Donald. Coucou. Allez, viens. Viens me voir. Câlin. Bon, alors, voyons voir ce que ça donne, la cinématique de fin. Donald ou Granny? Ouh. Donald. Je crois qu'on va, plonger, hein, on va faire le grand saut. Le grand saut dans les élections de 2020. Je sais pas pourquoi je dis ça, il y a du Trump partout. Hein, c'est vraiment le, celui qui a créé ce mode, il s'est défoulé. Hein. Ah! Il fait encore plus flipper que dans le jeu, il a les yeux blancs et tout. Ah, c'est ça, je préfère sauter. Hein, car... Ah! Yeah! Game over. Bon, et bien, moi qui pensais que les modes de Granny sur iPhone étaient complètement buggés, finalement, sur Android, c'est pas non plus tout joli joli, hein. Bon, en même temps, je ne joue pas vraiment sur un Android, mais sur un PC qui simule un peu un Android. Donc, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, en même temps, le jeu, il y a des portes qui s'ouvrent pas. Je pense pas que ce soit mon logiciel d'Android sur PC qui fasse ça. Bon, en tout cas, dites-moi, vous, si vous avez déjà joué à ce mode-là sur Android, s'il est buggé. Bien sûr, dites-moi également dans les commentaires quels autres modes de Granny vous voulez qu'on fasse. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez passé un bon moment en mon compagnie, laissez un max de pouces bleus, abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!